Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Maniteur et on va dévorer des requins marteaux. Another shark hunt draws to a close. Dans le dernier épisode, on avait tué notre 9e adversaire. Neuvième super chasseur. Ah ouais, le cachalot. Peut-être pas être juste devant sa tête. Ça serait malin. Lui, il essaye de me mettre devant sa tête. Aïe, ça se passait mieux avant. Quand j'arrivais à l'étourdir électriquement. Ah bah c'est fait. Marteau, dès que je le saisis, paf, c'est fini. Ah, sauf s'il m'esquive. C'était là, bravo à lui. Il survit de 3 secondes de plus. Alors, on a terminé notre contrôle de la population par ici, j'ai une autre quête. Back in the good old days, the world practically ran on sperm whale oil. Now we can only watch them from afar, dreaming of tapping their skulls for all that sweet spermaceti. Alors, est-ce qu'on a des choses? On voit mieux quand même avec l'eau dégagée. Lorsque j'accélère, il y a un effet bleu électrique de ma tête, orangé de mes côtes. Plutôt joli. Alors, monsieur l'orque, qu'est-ce qu'il vous prend de prendre à moi? Ça fait un peu de dégâts quand même. Pourquoi quand je me laisse surprendre, j'ai pas le temps d'engourdir électriquement. C'est presque mal fini. Même si je l'ai plutôt dévoré, mais on aura beaucoup tapé par rapport à tous les autres que j'ai affrontés précédemment et que je surprenais. Allez, allez, nage, 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 mon petit. The cetacean assassin. Prédateur cachalot. Il est albinos. Cachalot suprême. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme les autres, hein. Je vais l'électrifier et puis voilà. Si
je reste au milieu de son corps. Bon là je suis à peu près de sa tête mais bon. Aïe, d'ailleurs j'ai pris quelques coups. Loin de la queue, loin de la tête. C'est ma cible hein. Back in the good old days, the world practically ran on sperm whale oil. Now we can only watch them from afar, dreaming of tapping their skulls for all that sweet spermaceti. Alors, eh bien, on a fini cette zone quasiment. Ah, il a un nouveau navire, Pete le méchant, qui maintenant est moche comme un méchant. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça? Non. Ça peut-être? On va voir. Oh. Has a new boat, and from ah non, c'est dans le bayou. Bon, there are several features probably not legal for civilian use. Hein. Qu'est-ce que t'as mis d'illégal? Oh, c'est une torpille ça? So what? Pete, I don't know what all this is, but you're scaring us. What you gotta be scared about? You a shark? Pete, I don't want to, but I think we need to get the police, maybe the Coast Guard involved? You think I'm crazy? No, I'm the most sane man you ever seen. Look, I didn't get here easy. But when some shark take everything I got, I'll give her the same chance she gave my boy. None! Now get the f*** off my boat, or I'll kill you too. The f*** I say! Hope you got a hunger on! We serving shark étouffée tonight! Pete has built an impressive battleship, but will it be enough to endure the prehistoric might of a mega shark? Alors, j'ai un petit problème de cécité que je ne sais résoudre qu'en revenant au menu principal. The air out here has a distinctive smell, that of sea salt, nitrogen oxides, and an intriguing bouquet of volatile organic. Attaquer Pete et son navire d'attaque de la Seconde Guerre mondiale remis à neuf. D'accord, carrément. Est-ce qu'on a des améliorations à faire? Warm waters northeast across the Atlantic towards English seaside towns filled with cranky pensioners, donkey rides, and heroin addicts. Hein? Actuellement, j'ai plus de protéines et plus de santé en me nourrissant. C'est plutôt pas mal. Par exemple, ouais, santé en me nourrissant. Je pense que je pourrais pas avoir mieux. Ah, les poissons. Ouais, je m'en fiche. Non, on va garder santé en me nourrissant. C'est plutôt pas mal. On a la queue osseuse en ce moment, ça réduit un tout petit peu les dégâts. Si je veux passer à la queue de l'ombre, je perdrai en forte distance d'attaque de l'ombre. Vitesse plus 20%, vitesse max passive, vélocité du projectile, portée du projectile. On peut tenter. Ah mais j'ai déjà choisi cette queue là. Qu'est-ce que je... J'ai débloqué les deux, mais... Corps bioélectrique, corps tigré. En ce moment, je suis en bio... Non, je suis en osseux. Nâchoire, osseuse. De toute façon, c'est osseux ou bioélectrique. Résistance aux dégâts, dégâts de frappe. J'ai un mixte entre plusieurs choses. Ah, je vois pour combien ça pèse dans les dégâts. Est-ce que ça, par exemple,
Je monterais en dégâts si je passais à la tête bioélectrique. Mais je perdrais en vitesse. Et je préfère bénéficier de la vitesse. Ok. Défense contre dégâts. Ouais, là on va rester bioélectrique. Ok, ben on va aller voir. Est-ce que c'est par là-bas? Terminé, boss. J'ai l'impression qu'il est hors de la zone. Ah, c'est que la zone n'est pas tout à fait régulière. Mais je peux pas passer au-dessus, ouais. Je m'en doutais un peu. Ah, c'est quand même bien fait. Ils ont fait une barrière avec des algues pour donner l'impression que c'est une barrière naturelle. C'est pas logique qu'il y ait des cachalots aussi près de la côte alors qu'il y a une barrière, mais. Hello there, girlie! Quoi? Comment tu m'as vu? Je suis sous l'eau. Ça explose. Je pensais pas que ça faisait aussi mal la cage électrique. On va manger des trucs. J'aurais peut-être dû me tailler un corps exprès pour tuer des bateaux. Si je meurs, je passerai au corps spécial bateau. Rocheux probablement du coup. Pas mal de résistance. Aïe! Ah, c'est un plongeur. Ah, faut pas que j'oublie que c'est le boss final. Pas grand chose à manger par là. Mince, du coup je l'ai mangé. Je voulais le lancer. Donc, je pense théoriquement que je peux l'attraper. Aïe, non, j'ai l'impression que je peux rien faire. En théorie, lui. Si, je le bouffe d'un seul coup. Oh, ça craint. Donc je vais être obligé de rentrer dans la zone à nouveau. C'est bon. Aïe. Plonge. Send somebody down there.
Juste attends. Ah, j'ai un super pouvoir, moi. Tort de m'en priver. Voir la cage. Ah. Oh, il a remis des... une protection. Ça me permet de régénérer au moins. J'ai eu un élément électronique, c'est bien. J'aurais peut-être dû me débarrasser de mon sonar et prendre un truc qui rapporte 30% de régénération de la vie ou un truc comme ça. Peut-être t'as besoin de détruire la deuxième en fait. J'ai l'impression que je me prends le choc électrique sur le pont du bateau aussi. Bon, esquiver. Ah mince. There one's for Kyle.
j'ai perdu. Ocean waters are driven constantly by tides. Attaquer, piller son navire, c'est ça. On est reparti. Donc, est-ce que le bioélectrique, par exemple, ça m'est pas du tout utile pour ce combat-là. Alors que là, j'ai des réductions des dégâts, bonus de dégâts de morsure sur bateau, dégâts de secouée. Corps osseux, nâchoire osseux, tête de l'ombre, queue de l'ombre. Ouais, je peux passer à queue osseuse partout, je peux mettre du osseux partout. Dés de réduction des dégâts. Vos dégâts de frappe, résistance au renversement de l'équipage. Résistance aux dégâts du bateau, bonus de force de frappe. J'ai plein de. En passif. Ouais, j'ai plein de Franklin marveled at how quickly the Gulf Stream allowed him to travel back to America after his many Parisian whoring expeditions. Je pense qu'on est mieux équipé pour s'en sortir. J'ai gardé le sonar parce que ça m'est quand même utile pour trouver mes cibles à manger. Encore au sud, on devrait tenir plus facilement. Ça devrait aussi réduire les dégâts que je prends de la zone électrique. On verra si ça suffit ou pas. Je sais pas si je le reprends du début. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus juste. T'inquiète, j'ai pas de checkpoint. Ah, j'ai pas réussi à détruire la première truc. Je suis plus lent, hein, je le sens. Pas trop réussi à abîmer les trucs électriques. Et je suis très lent. J'espère qu'au moins ça m'aidera contre le bateau plus tard. On est plutôt bon niveau vie. Peut-être que les dents électriques ça m'aidait à détruire les billets. Ah ouais, donc si je suis peut-être censé saisir et renvoyer les roquettes. Mince, je me suis pris dans la bouche. Alors, j'en ai eu une, très bien. Oh.
Ah, esquive. Crac, crac, crac. Gère maintenant. C'est bon, on l'a eu. Le premier morceau. Je peux faire des dégâts depuis le dessous. Ah, ça a l'air de casser la cage quand même d'abord. Tu fais beaucoup plus de dégâts au bateau en tout cas. Ah, j'ai même pas activé mon effet. Oh là là, avec le full rocailleux, les bateaux je les renverse mais avec une facilité déconcertante. Et une fois que je les ai tous fait tomber dans l'eau, croc croc cric. Ah, donc si ça se trouve en fait, il suffit que je fasse un truc du genre. Ah, ils sont tous dans l'eau. Là je les cueille, en pratique je peux aussi juste tenter. Faire basculer. Alors, il est là-bas, son bateau. Ah mince. Pas eu un des trucs électriques, je croyais. Oh, première étape, je les esquive. Deuxième étape, je les attrape, je maintiens et je les relance. Ah oui, il faut d'abord que je les esquive, sinon après ils sont. Ah, j'ai touché un corps, je pense à une torpille, pas ce que je voulais. Et voilà. J'ai même pas eu à affronter ces gens sur le bateau, j'ai juste tapé le bateau de dessous. Il va faire sauter le bateau. Laissez les bons temps rouler. Laissons les bons temps rouler. Oh oh. I suppose there's a lesson to be gleaned here. Something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental apocalypse. But this is a basic cable show where people tune in to watch sharks kill people and people kill sharks. So until next fishing season, this is Maneater. Oh ho! On l'a mangé. Bon, du coup, j'ai pas très bien compris si on était mort ou pas. Bon, ok.
Vous avez terminé le scénario principal. Pour continuer à vous nourrir, à grandir et évoluer. Évolution trouvée, 21 sur 26, rang d'infamie 9, temps de jeu 10 heures, belle à langouste 64%, blablabla, j'en ai fait 2 à 100%. The shark has somehow survived the multi-gigajoule explosion unscathed. J'ai survécu, d'accord. She's on to other things. In case you're wondering about me, the network Namby Pambies canceled our program due to depictions of actual death. So I'm now broadcasting online, free from the meddling of censorious busybodies. Alors, ah, elle est plus toxique. Je voulais aller voir la bête saphir parce qu'elle était toxique et qui était censée y avoir plus de je sais pas quoi. Mais apparemment c'est fait. Du coup, j'ai pas grand chose à faire encore dans ce monde. J'imagine que les portes ne bougent pas. Il me reste quelque chose. Terminer le golf contre la montre. Terminer le golf chassé. Terminer cas caviar. Terminer explorer la zone. La truth gate. Sentiment nématique. Bon, on peut aller voir. Apparemment, on a du bonus. Apparemment, on est bien bloqué à 30. Donc, j'ai pas l'impression que les portes se soient ouvertes. Bon, je reste encore écailleux, ça a bien marché. Même si je me trouve lent. Ça a bien marché contre des bateaux. Hi, my name is Trip Westing. Recently, I produced the television nature series Man-Eater. Over the course of filming, our cameras witnessed unprecedented displays of evolution. Strange mutations never before observed by the human eye. Ah, c'est celui When I spoke to a prominent marine biologist, she claimed it was due to Port Clovis's extreme levels of radioactivity and industrial effluent. But I couldn't shake the feeling that she was merely trying to placate. What did she really know? And why wasn't she telling me? Then, as if the stars had all aligned, a former Q-level security specialist sat down next to me. What he told me would haunt me for the better part of a year and lead me back to Port Clovis on a dangerous journey through dark secrets, government cover-ups, and a clandestine cabal of extraterrestrial elites single-mindedly determined to enforce their will on humankind. Come with me on a quest for the truth. Truth Quest. Uh-huh. Judging by the bull's behavior, she smells a new creature. If it threatens her apex status, a heated confrontation is inevitable. Alors, donc visiblement j'ai une quête suivante après la quête principale qui est la Truth Quest. Ah, je peux les classer par... d'accord, peu importe. C'est un scénario. Terminer le golf contre la montre, terminer le golf chassé, caviar, blablabla. Nager à travers les anneaux. Aller voir. En souterrain. Aïe. Est-ce que ça va pas l'espadon? Ouais, j'ai beaucoup plus de ressources que nécessaire. Les anneaux. En surface. The predator must act quickly, lest she lose the scent of her prey. The shark works the odor trail with a singular focus. Bah, j'ai pas du tout le corps qu'il faut pour aller vite, mais bon. Perhaps
pense que c'est une tentative d'étendre la durée de vie du jeu que j'apprécie. J'ai pas le corps qu'il faut. The creature has disappeared. Probably whisked away by a government boat. Lest we capture the beast on video. Alors détruire la cible après recherche de bateau, ça c'est beaucoup plus facile. 65. The dread fleet set sail to claim its watery empire. Energized by demon powers, the Illuminati prove a dastardly foe. Questers. Whatever it is the shark caught scent of, the secretive Black Ops unit, conspicuously called NWO, has captured. Détruisez la balise de communication. What might be their nefarious plans? I have it on good authority that Port Clovis Mayor Wade Hibbard is a Rosicrucian Grand Master who regularly communes with a spirit of Saddam Hussein. Oh oui, bien sûr. On est en train de passer dans le monde complotiste là. Alors, échec de communication. Détruisez la tour. Mordez et tenez un explosif ou un ennemi avec machin. Puis visez la tour et projectez votre croix dessus. Parce que la tour est très haute. Ah oui. Théoriquement, je peux prendre un humain pour ça. Hop là. C'est pas un marin, c'est un... Enfin si, c'est des marins militaires quoi. Unfortunately, I suspect there's more where that came from. Bon, en tout cas on verra ça dans un prochain épisode, on a déjà terminé le jeu, c'est pas mal. Et on se retrouve pour la quête complotiste, je sais pas combien d'épisodes ça nous occupera, mais grosso modo, l'aventure est quand même finie.